Alors, pour la prochaine cliente, on va poser ces deux produits. Oh, une nouvelle cliente? Bonjour. Oh, bonjour mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? Je viens pour un relooking, pour un rendez-vous galant. Oh, super. Vous êtes la bienvenue. Prenez place, je vous en prie. D'accord, merci. C'est étrange. Je pense que la fille du maire a un rendez-vous. Cool. Je vous demande de patienter juste quelques minutes, je vais ranger tout ça. Faites vite. Oui, juste 2 minutes. Voilà, j'ai tous les produits, c'est bon. C'est bon, je suis à votre disposition. Dites-moi en détail ce que vous voulez. Eh bien, j'aimerais lâcher les cheveux pour une fois, mais sans les couper. Très bien. Est-ce que vous voulez aussi une coloration? Pas vraiment, juste une mèche s'il vous plaît. D'accord, alors pour vous, le rose vous ira bien, avec vos cheveux blonds. Très bien, je vous fais confiance. Ok, très bien. Et j'ai aussi une autre question. Oui, je vous écoute. Eh bien, il me faudrait aussi un petit accessoire, avec ça un sac à main de couleur rose. J'espère que vous avez tout ça. Je vais voir ça. En tout cas, je vais essayer de voir ce que j'ai. Ok, très bien. Il faut que je sois la plus belle aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, c'est mon travail, vous rendre belle. Ah, très bien alors. D'abord, passez-moi votre sac, je vais le poser. Merci. Je le pose juste à côté, ok? D'accord. Alors tout d'abord, je vais détacher les cheveux, si ça ne vous dérange pas. Oui, allez-y, faites ce que vous voulez, je vous fais confiance. Merci. Alors... voilà, là je pense que c'est bon. Ah, vous avez de beaux cheveux quand même. On va aller tout de suite ici. Voilà. Maintenant, je vais commencer par vous rincer les cheveux. Le rinçage des cheveux, c'est fait. Et maintenant, on passe au shampoing. Ils sont trop bons. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est bon, nous avons de la mousse. Ce sera plus facile pour pouvoir masser vos cheveux. Un petit peu ici. Ça fait du bien. Oui, c'est aussi le but de ce shampoing, vous faire du bien. Et voilà, on n'oublie pas les bouts bien sûr, de bien les laver. Voilà, c'est presque fini. Et maintenant on rince une dernière fois. Et bien maintenant que vos cheveux sont secs, on va donc passer aux colorations. Vous êtes prête? Oui, et j'espère que vous allez réussir. Ah, ne vous inquiétez pas, je sais comment vous êtes et je pense m'en sortir. D'accord, allez-y. Alors, il faut juste teindre une seule mèche, comme on a dit. Et ben voilà, donc là, il suffit juste de patienter quelques minutes. Vous voulez quelque chose pour lire? Non, merci, ça ira. D'accord, très bien. Bon ben, il suffit juste de patienter alors. J'espère que ça va pas prendre beaucoup de temps parce qu'après j'ai rendez-vous dans 1 heure. Ok, ne vous inquiétez pas, juste patientez 15 minutes, ok? D'accord. Marinette, tu verras. Adrien sera pour moi pour toujours. Il va te quitter. Et tu vas pleurer. Oh là là, mais elle est passée où la coiffeuse? Madame! Madame, c'est bon là, je pense que 15 minutes sont passées. Oups, désolée. Il y avait d'autres clientes derrière. Bon bah je pense que c'est bon, je vais enlever tout ça. Hop là. Voilà. Ouh, waouh, cette couleur vous va magnifiquement bien. Ah bon, vous croyez, je peux voir?
Ah oui, attendez, je vous ramène le miroir. Et voilà. Regardez, vous êtes bien ou pas? Ça va, ça peut y aller, mais j'aurais voulu un peu plus clair. Oui, c'est vrai. Je ferai attention la prochaine fois. Mais bon, ça peut y aller. Donc, pour me rattraper, je vais vous faire du maquillage. Ça va y aller? Oui, en même temps, je voulais un peu de maquillage. D'accord, je reviens. Grâce à mon maquillage, vous serez la plus belle. Ah là là, si vous le dites. Alors, c'est petit pour le blush. Voilà. Juste un petit peu de blush, ça ira bien. Alors, il ne me reste plus qu'à mettre du rouge à lèvres. Mat, en ce moment, c'est tendance. Un petit peu de cheveux ici, voilà, c'est bon, vous êtes prête. Bon ben là, je crois que mon chauffeur s'est endormi. Je vais aller rapporter ma robe que j'ai oubliée dans la voiture. Et je me changerai ici. J'arrive dans un instant. Ok, je vous attends. Ah, finalement, elle ne changera jamais Chloé. Et voilà. Voici ma tenue qui est la plus chère. Elle est vraiment très chère. Et mes chaussures. Oh waouh, elle est magnifique. Oui, vous savez, puisque mon père c'est le maire de la ville, donc je peux acheter ce que je veux. Oups. D'accord, d'accord. Vous avez fait tomber une chaussure. Ah, vous pouvez la ramasser s'il vous plaît? Moi je vais aller me changer. Ok, d'accord. À tout de suite. Oui, à tout de suite. Je vous rapporte la chaussure. Ah ouais, quand même, hein. Elle doit vraiment coûter cher. En tout cas, elle est magnifique. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, vous avez déjà découvert Chloé dans une de mes précédentes vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une nouvelle Chloé, mais cette fois avec une nouvelle tenue et une nouvelle coiffure. Elle est toujours aussi belle. Et je pense qu'il s'agit peut-être de son anniversaire ou dans un événement spécial, mais je sais pas lequel. Avant de l'ouvrir, je voulais juste vous dire que j'adore son ensemble. La petite mèche rose, sa robe, elle est trop belle. Donc, hâte de pouvoir la tester. Alors voici la magnifique Chloé avec sa petite mèche rose. Ça lui change vraiment avec ses longs cheveux. Elle porte une belle robe à paillettes avec toujours de la couleur jaune qui lui va parfaitement bien. Sinon, elle avait aussi un petit collier, voilà. Elle avait aussi un petit sac à main de couleur rose qui ressemble beaucoup au sac à main précédent. Et elle porte sinon des chaussures de couleur jaune. Et je pense qu'elles ont la même couleur de maquillage. Rien ne change. Oh oui, nous avons le même maquillage. Oui, mais moi je reste quand même la plus belle. Oh. On dirait vraiment des best friends forever. Elles sont en tout cas magnifiques. J'adore les deux poupées. Et comme je vous ai dit, je trouve Chloé vraiment très belle. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et vous retrouve très vite pour d'autres aventures. Ciao ciao! Alors, petite dédicace pour Pereira Stéphanie, fan de Gloria de Blasi, Adelina Starana, une petite licorne gaming, Yasmine fait des vidéos, Luna Kate, MH Eva Stein, LPS 123 licorne, Vovelta de MSP, Alice Manga. Gros bisous à vous tous. Et pour ceux qui ne le savent toujours pas, pour avoir une dédicace, il faut être dans les 10 premiers et laisser un commentaire avec les lettres MD lors de ma nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous et vous retrouve très vite pour d'autres aventures. Ciao ciao !